Donc me revoilà, ça a coupé, le portable a décidé qu'au bout de 10 minutes il se coupait en ce moment de vidéo, il faut que je trouve, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Donc je reprends. Donc on est à la dernière page, et sur la dernière page j'ai fait un livret, comme je disais, avec lequel j'ai fermé par une twine, en fait ça passe derrière, hein, c'est collé derrière. Et je sais pas si je vais pas mettre, vous savez, comme pour faire vraiment un petit onglet pour lever. Donc à l'intérieur. Excusez-moi. Donc là, j'ai laissé de la place pour des photos aussi. C'est pour ça que j'attends de voir une fois que les photos seront mises. Parce que je mettrai un onglet aussi de ce côté. Je sais pas si on voit bien. De ce côté. Et donc, du coup, j'ai besoin de voir vraiment si j'y mets des petites photos, une grosse photo. Enfin, voilà. Si ça rentre bien ou pas. Là, ici, j'ai fait une pochette. Donc, pareil, avec des chutes qui me restaient. Et puis, j'ai recollé de nouveau un petit. Comment ça s'appelle? Papier vélum. Un mot sur papier vélum. Et puis ici, j'ai collé une. Donc toujours la même série de die cuts, mais j'ai pas mis en relief. Celui-là, j'ai juste, je le trouvais très très bien comme ça. Donc je l'ai mis comme ça, et voilà, y a un emplacement pour une photo derrière. Et ici, je sais pas aussi, peut-être que je mettrai une photo là. Tout va dépendre, comme je vous disais tout à l'heure, du nombre de photos que j'aurai, des dimensions, mat, brillant, etc. etc. Tout ça pour ça, hein, j'ai fini, ça va durer 2 minutes. Excusez-moi. Donc voilà pour mon petit album. Alors, pour la dernière page, je fermerai après. Pour la dernière page, c'est-à-dire celle-ci, je l'ai pour l'instant volontairement laissée libre. D'habitude, je mets toujours une sorte de pochette ou un soufflet pour y mettre mes photos en plus. Sauf que là, j'ai pas vraiment calculé combien il y aura de photos et lesquelles je sortirai en grande et lesquelles je garderai en petite. Donc résultat, soit je remettrai un soufflet derrière une pochette pour y mettre les doubles des photos ou d'autres photos, soit sinon ben je mettrai une plus grosse photo ou deux petites que j'ai envie. Voilà, pour l'instant c'est pas figé non plus. Mais je voulais vous le montrer parce que ça fait quand même une semaine qu'il est terminé. Et puis j'avais dit que je le montrerais à certains. Donc voilà. Donc je vous le montre. Donc voilà, mon petit album mini est fini. Je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire un peu de scrap là avant de partir en vacances. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, je suis dans la couture. Hein, puisque, voilà, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis dans la couture. Mais bon, voilà. Voilà. Je vous invite à me suivre sur Instagram si vous ne savez pas. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Allez, bonnes vacances. Au revoir.